Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube Accessoires Asus TV. Aujourd'hui, je vais vous présenter le démontage et le remontage d'une petite carte d'accessoires qu'on appelle une IO card sur la série S712 de chez Asus. Commencer par défaire les charnières. Donc là, je vais pouvoir venir libérer puisque je n'ai plus de charnière ici. Je n'ai qu'à soulever ici le petit ergo, venir débrancher ma nappe. De manière celle-ci, elle n'est plus fixée puisqu'elle était fixée avec ma charnière. Et voilà pour le démontage de l'IO card, une carte additionnelle. En l'occurrence, je vous répète, celle-ci gère les LED et deux ports USB. Ensuite, ben là, il nous restera plus qu'à venir retirer la carte mère. Ah, ça va être relativement facile. Et le touchpad. Pareil, vous voyez, ça va être beaucoup plus facile de la brancher maintenant. Elle est un petit peu rigide, la nappe. Hop, voilà. Et je vais venir simplement positionner ici ma petite carte contrôleur. Et voilà, là elle est positionnée, il n'y a pas de vis sur cette carte contrôleur, elle est maintenue, je vous le répète, par la charnière qui va venir se positionner ici. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo. Comme d'habitude, j'espère que cela a été utile. N'hésitez pas à défoncer le pouce bleu, à mettre des commentaires ou à me poser des questions. C'est avec un grand plaisir que j'y répondrai. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures de démontage et de remontage.